Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce live métier en coulisses pour découvrir le métier de consultant en communication responsable avec Mathieu. Bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour Yana. Comme je le disais juste avant qu'on démarre ce live, moi je travaille chez Chance à la communication et je suis très heureuse de découvrir de découvrir avec vous la voie professionnelle de consultant en communication responsable. Et on fait ça en live avec des personnes qui sont connectées en ligne. Donc, l'idée, c'est que ce live soit interactif. On va peut-être attendre un petit peu que les personnes se connectent. L'idée, c'est que tout le monde pose des questions dans le chat. Et vous pouvez poser les questions dans le chat à notre invité, et moi, je me tâcherai de les lire en temps voulu. Et pour commencer, justement, pour voir un peu cette interactivité, est-ce que vous pouvez, les personnes dans le chat, nous dire d'où vous vous connectez? C'est toujours chouette de voir. Si on a des gens de lieux différents. Et aussi, par curiosité, savoir pourquoi vous êtes inscrit à ce live. Est-ce que c'est par curiosité? Est-ce que c'est parce que vous envisagez peut-être cette voie professionnelle? Alors, je vois Lola qui est connectée depuis Arles, Maud de Bordeaux. Nant-les-Pins, Aix-en-Provence, Rouen, un peu partout, effectivement. Moi, je me connecte depuis Rennes aujourd'hui. Mathieu, vous vous connectez d'où? De Fontainebleau. Ah ben voilà, on est vraiment tous un peu partout. Super. Pour commencer en introduction de ce live, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Chance, Chance, c'est une communauté d'entraide professionnelle. Qui a mis au point une méthode pour aider chacun et chacune à trouver sa place dans le monde du travail et donc dans la société. On a plusieurs programmes d'accompagnement. Le plus connu est le bilan de compétences. Et on a aussi plein d'autres services et notamment des ressources gratuites ouvertes à toutes et tous. Comme c'est live métier, du coup cette semaine, on va avoir 50 lives en 5 jours. Et l'idée de ces live métiers, c'est de pouvoir confronter un peu la réalité de métiers que des fois on fantasme ou sur lesquels on a très peu d'infos. Et savoir si voilà, c'est des parcours qui peuvent nous intéresser ou au contraire. Des parcours dans lesquels on ne se projette pas du tout. Du coup, l'idée, voilà, c'est vraiment que vous puissiez poser toutes les questions que vous avez. Mathieu, bonjour. Est-ce que, pour commencer déjà, vous pouvez un petit peu nous expliquer en quoi consiste le métier de consultant en communication responsable? Oui, bonjour, écoutez, je suis ravi d'être ici avec vous. Je pense qu'il y a deux volets clés, en fait. Il y a le volet conseil et il y a la thématique communication responsable. Donc si on commence par la communication responsable, on est dans le secteur de la communication, d'accord? Donc les métiers au sens large de la communication, donc on peut raccrocher ça aussi aux enjeux marketing et publicité des marques. C'est la communication au sens large, hein, et l'idée, c'est qu'on s'intéresse à l'interface entre les enjeux de transition écologique et nos métiers. Et donc, ça va être à la fois comment est-ce qu'on communique sur la démarche, par exemple, de responsabilité sociétale d'une organisation, qu'elle soit privée ou publique, comment est-ce qu'elle valorise ses avancées, ses enjeux, les difficultés qu'elle rencontre. Et ça va être aussi de comment est-ce qu'on peut réduire nos propres impacts, voilà, quand on fait un événement, quand on conçoit un site web, quand on fait une plaquette, voilà, toutes nos actions de communication, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'elles soient moins négatives pour l'environnement et plus positives sur un plan social et sociétal. Donc ça, c'est vraiment la thématique dans laquelle j'évolue. Et moi, je travaille sur cette thématique-là du point de vue du conseil,
C'est-à-dire que mon rôle, c'est d'accompagner les entreprises privées, les organisations publiques, parfois des ONG ou d'autres types d'acteurs, secteur non marchand, etc. On les accompagne pour répondre à leurs besoins sur cette thématique-là. Donc, on peut travailler en communication responsable depuis une agence, depuis un annonceur, une entreprise, une organisation, et depuis en étant freelance. Voilà. Nous, on est aujourd'hui trois dans ma structure. Voilà. Donc, c'est un tout petit cabinet de conseil. D'ailleurs, on ne parle même pas, on n'est pas agence, on n'est pas cabinet, on est juste un trio d'expertes sur ces sujets-là. Et alors du coup, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est vous, enfin vous êtes contacté par les entreprises qui ont besoin un peu de faire le point sur à quel point elles ont des actions responsables ou comment ça se passe? On a la chance de bénéficier d'une certaine notoriété sur le sujet parce qu'on travaille, on réalise un certain nombre d'actions, de missions d'expertise pour le compte de l'Agence de la transition écologique, notamment. On a contribué à la rédaction d'un ouvrage qui s'appelle le Guide de la communication responsable, donc de l'ADEME, et cet ouvrage nous donne une certaine légitimité sur le sujet. Donc on a la chance d'être plutôt contacté par les organisations et les entreprises. Elles nous contactent pour trois choses. Soit elles veulent se former à la communication responsable. Donc elles en entendent parler, parce que c'est un sujet qui monte en puissance depuis quelques années. Donc elles en entendent parler et elles disent « Ah ben moi aussi, j'aimerais bien que mes équipes comprennent mieux ce que c'est, qu'on s'engage, et voilà. » Donc il y a des demandes de formation. Ensuite, on a des demandes plus opérationnelles où on a des entreprises qui se disent « Tiens, là, je vais bientôt diffuser un communiqué de presse sur nos stratégies climatiques. Je voudrais être sûr de ne pas faire de greenwashing. Est-ce que vous pouvez nous relire le contenu ?» Donc on a ça pour des relectures de contenu de site web ou des projets de campagne de communication ou de publicité ou la relecture de rapport RSE, par exemple. Donc ça, c'est le deuxième type de mission pour lesquelles on nous contacte. Et la troisième, c'est plutôt des missions à plus long terme. Ça peut durer, ça dure plusieurs mois, voire un peu plus d'un an. Là, on a vraiment besoin de mettre en place une stratégie de communication responsable ou refondre une stratégie RSE pour pouvoir mieux la valoriser et la communiquer en interne et en externe. Et donc là, on a un accompagnement qui est plus à la fois stratégique et opérationnel avec... les séquences classiques de diagnostic, d'audit, de co-construction avec des ateliers, et puis ensuite un déploiement. Voilà. D'accord, super intéressant. Est-ce que du coup, on peut revenir un petit peu sur votre parcours professionnel, savoir si vous étiez déjà... Enfin, non, je ne vais pas spoiler la réponse, mais... D'accord. Je peux parler de mon parcours et des personnes que je vois, enfin, soit les deux personnes qui travaillent directement avec moi, Aurélie et Sandrine, ou les autres consultantes et consultants que je connais dans le secteur. Moi, ça fait 25 ans que je travaille à l'interface entre les enjeux de soutenabilité et communication, marketing et publicité. J'ai fait des études en sciences dures à l'ENS, après j'ai fait un doctorat en communication des sciences et de l'environnement, et c'est lors de la préparation de mon doctorat que j'ai découvert ce champ-là de la communication environnementale, et c'est ça qui m'a donné envie de me dire, tiens, un, je veux faire de la communication, et deux, je veux faire de la communication sur les thématiques environnementales. Donc j'ai été un peu chercheur, j'ai été pendant quelques temps communicant dans les organismes de recherche, notamment sur l'environnement, et rapidement, je suis allé faire du conseil parce que c'est ça qui me plaisait. Je voulais à la fois pouvoir avoir le temps de faire de l'analyse, des entretiens, comprendre les enjeux, prendre de la hauteur, et à la fois être dans le côté concret, ce que je n'avais pas quand j'étais chercheur et quand j'étais communicant dans une organisation. Voilà. Ce que je vois dans le secteur, c'est qu'on a besoin en fait d'avoir une double compétence en fait. Des compétences dans notre métier, communication, marketing, publicité, et des compétences aussi sur les enjeux écologiques, sur les enjeux de responsabilité sociale, sociétale des organisations. Voilà. C'est important d'avoir les deux pour pouvoir comprendre les enjeux et avoir des échanges pertinents à la fois avec les responsables communication, marketing et pub dans les organisations, mais aussi les responsables RSE. Ce sont souvent eux qui nous sollicitent d'ailleurs. D'accord.
Et vous êtes passé de chercheur à... Enfin, comment vous en êtes Ouais. devenu à aujourd'hui Je travailler? suis passé de chercheur en communication à communicant. Donc ça a été une première bascule, en fait. J'ai dû convaincre des employeurs que j'étais capable de faire de la communication et pas simplement de réfléchir sur la communication. Donc ça a été notamment faisable parce que je suis allé travailler au ministère de l'écologie à ce qui s'appelait le service de la recherche. Donc en gros, c'est un service qui finance des programmes de recherche et ils avaient besoin de communicants pour valoriser les résultats des projets de recherche. Et donc c'était intéressant d'avoir quelqu'un qui connaît le monde de la recherche. Et ensuite, quand je suis allé travailler en tant que communicant dans les organismes de recherche, j'ai travaillé au CEA, j'ai travaillé à l'IFREMER, voilà, là, il fallait démontrer que j'étais capable de piloter des projets de communication, voire de prendre la responsabilité d'un service. Voilà, donc ça a été le premier saut. Et le deuxième, ça a été de passer de communicant à consultant en communication. Et voilà, ça s'est fait avec la confiance de quelques clients, notamment l'ADEME, qui a été mon premier client en 2012 et avec qui on Alors, travaille est-ce qu'on peut aujourd'hui. peut-être réexpliquer ce que c'est pour L'ADEME, c'est les... l'agence de la transition écologique. Donc, en fait, c'est l'agence de l'État qui déploie un certain nombre de politiques d'accompagnement des acteurs publics, des acteurs privés, des citoyens et des citoyennes sur les enjeux de transition écologique. L'ADEME va notamment piloter des grands fonds de développement, d'innovation. Ils financent aussi des thèses et ils ont tout un volet de sensibilisation du grand public. Et il y a notamment des campagnes de communication, comme la campagne de communication des dévendeurs que vous avez peut-être vu l'an passé, qui a fait beaucoup parler d'elle. Et donc il y a tout un volet de communication et de marketing plus responsable qui est porté par Valérie Martin à l'ADEME. Et ben, j'ai la chance de travailler avec elle depuis 12 ans maintenant. Super. Et du coup, vous êtes satisfait aujourd'hui d'avoir cette casquette de consultant en communication plutôt que communicant? Oui, c'est là et ça boucle avec la question du sens hein, qui est abordée dans cette série de live métiers. J'ai le sentiment d'être le plus utile à ma place aujourd'hui. Et ce qui me plaît, c'est de travailler avec des organisations vraiment très différentes les unes des autres et de pouvoir continuer à progresser dans mon expertise et la mettre au service de nos publics. Donc, bon, je vois en passant le chat, là, la question de... La principale interrogation qu'on a, c'est, un, pour qui est-ce qu'on travaille? Deux, est-ce qu'on sert vraiment à accélérer la transition? En gros, moi, je suis convaincu qu'on a des enjeux écologiques, donc environnementaux, sociaux et sociétaux qui sont majeurs. La transition écologique est juste, ça devrait être une priorité dans l'ensemble des entreprises et des États. Aujourd'hui, ce qui est fait n'est pas à la hauteur. Et donc, une fois qu'on est conscient de ça, de tout ce qu'il y a à transformer à la fois à l'échelle individuelle et à l'échelle collective, moi j'ai le sentiment qu'on a besoin d'une communication différente et d'une RSE différente aussi. Donc vraiment une RSE transformative et d'une communication au service de cette transformation-là. Et donc j'ai le sentiment que à notre place, avec Aurélie et Sandrine, on essaie de porter ce message-là. À quoi ça sert? Quels sont les résultats? Là, c'est des questions qu'on se pose, hein. Est-ce qu'on est utile? Est-ce que voilà, ça fait. Mais voilà, aujourd'hui, en tout cas, on a le sentiment d'être à notre place et de jouer notre rôle. Donc on essaie d'être franc dans nos analyses, de dire clairement ce qui ne va pas, par exemple, dans le modèle économique des organisations, notamment des entreprises dans lesquelles on intervient, et tout en disant aux équipes communication et marketing que c'est à elles de porter ces sujets-là et de pousser à la transformation de leur organisation. Ensuite, on n'est pas aux manettes, et puis il y a des décisions qui sont de niveau politique très élevée, on va dire, dans les entreprises. Donc, il y a des choses qui nous dépassent, c'est sûr. Ce qu'on voit, c'est qu'on a des entreprises qui viennent avec justement cette volonté, notamment quand elles nous font relire des contenus, elles nous disent, dites-nous sans filtre ce que vous pensez de nos contenus. Donc, il y a vraiment cette volonté d'avoir un discours franc, clair, transparent sur ce que nous, on ressent
en prenant connaissance de leur communication. Et donc, on est là quelque part pour leur dire un peu leur quatre vérités sur les contenus qui sont proposés et aussi pointer du doigt des incohérences ou des limites de leur démarche RSE, quoi. Et, alors, en général, elles savent très bien ce qui ne va pas dans leur modèle économique. La difficulté, c'est comment est-ce qu'on parle de ça. Et parfois, elles ont simplement besoin d'un regard extérieur pour venir conforter en fait, leur analyse et amener ça à la direction générale. Voilà. D'accord, super intéressant. Merci. Pour les personnes qui verront ce live après, on a au passage répondu à une question de Charline qui demandait si... Quand on intervient pour des conseils aux entreprises, elles mettent toujours en place ce qui est proposé, si ce n'est pas frustrant et énervant, si elles n'arrivent pas à mettre en application les recommandations. Bah, on n'a pas exactement répondu à est-ce que c'est frustrant et énervant d'ailleurs, Mathieu. Oui, ça peut même être déprimant, hein, des fois. Une caractéristique, je pense, qu'on partage avec de nombreuses personnes qui travaillent dans le secteur de l'écologie au sens large, hein, c'est que on voit un tel décalage entre la réalité des enjeux, leurs impacts, dès aujourd'hui, hein, et bien sûr, plus on va avancer, plus il y aura d'impact, notamment sur les populations les plus fragiles. Hein, donc le décalage qu'il y a entre les enjeux écologiques, leurs conséquences, et puis le modèle économique tel qu'il est en place aujourd'hui, comment fonctionne notre société, comment on fonctionne collectivement et individuellement. Et donc ça peut générer un certain nombre d'interrogations ou de fatigue, on va dire. Voilà. Alors on essaie, voilà. Face à l'éco-anxiété, ce qui est important, c'est d'agir. Ben, nous, on a la chance de pouvoir agir dans notre activité professionnelle au quotidien, et d'essayer de proposer aux entreprises de se poser les bonnes questions et de mettre la communication et le marketing au service de la transformation. Alors voilà, c'est pas toujours facile, mais on a... Et puis comment ça se transforme dans le concret, voilà, c'est pas évident. C'est sûr que les entreprises ont tendance à retenir, par exemple sur la communication plus responsable, bah, qu'il faut rendre le site web plus accessible ou qu'il faut utiser du papier certifié, mais pas le côté il faut transformer mon modèle économique et en gros il faudrait arrêter de vendre certains produits ou services. Voilà, c'est d'un niveau différent, ça on l'entend. Et nous, on est là quelque part pour semer quelques petites graines en espérant que ça fasse évoluer l'organisation elle-même ou même mûrir, aider à la réflexion de certaines personnes qui pourront peut-être changer d'entreprise si elles n'y trouvent plus leur sens, quoi. Voilà. En tout cas, on essaie, nous, systématiquement, dans nos interventions, on parle des enjeux écologiques. Donc, on n'est pas, on se cantonne pas qu'à la communication parce que voilà, on rappelle les grands enjeux, on rappelle la nécessité d'un changement de modèle, d'un modèle linéaire vers un modèle beaucoup plus circulaire et plus sobre. Et on explique en quoi la communication et le marketing peuvent jouer un rôle là-dedans. Mais oui, ça peut être frustrant et énervant. Ouais. Mais la question suivante de Charline, mais on vient d'en parler, c'était est-ce qu'on voit l'évolution et le fruit des interventions qui sont mises en place systématiquement? Systématiquement, non, mais on voit une évolution générale parce qu'on a, on a, on est, on voit bien que cette thématique, elle suscite de l'intérêt. Il y a de plus en plus d'ouvrages, il y a des conférences, il y a des webinaires, le fait que je sois là aujourd'hui. On voit que c'est une thématique qui monte en puissance, à la fois directement par les directions de la communication, mais aussi par les directions RSE ou les directions juridiques qui peuvent dire hop, j'ai entendu parler de ça et il faut absolument que nos équipes communication s'y mettent. Donc on voit que ça prend de l'ampleur, quoi. Super. On a une autre question de Maude qui est comment vous assurez-vous de ne pas faire de greenwashing? Est-ce que vous avez une sorte de checklist de communication responsable qui sert de boussole? Alors, si on vient de nous chercher pour de la relecture, c'est justement parce que nous sommes expertes de ce sujet-là. Je féminise volontairement, hein, parce qu'on est trois, deux femmes, un homme, et donc quand je parle de notre trio, je féminise.
Nous, ça fait très longtemps qu'on travaille sur ces sujets, et c'est parce qu'on connaît bien les enjeux écologiques des différents secteurs, des différentes entreprises qui nous sollicitent, qu'on est en capacité de leur dire, attention, sur ce thème-là, vous êtes plutôt faible dans votre stratégie, donc il faut communiquer de façon très light, voire ne pas communiquer. Sur ce sujet-là, vous êtes plutôt fort et en avance par rapport à d'autres secteurs, vous faites des choses qui sont sérieuses. Par exemple, vous avez une stratégie climatique qui est cohérente, compatible avec les accords de Paris. Donc là, vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait, nous donner les éléments de preuve. Donc en fait, la lutte contre le greenwashing, c'est une question d'équilibre entre ce que vous mettez, ce que met en place l'organisation et l'entreprise concrètement pour réduire ses externalités négatives, donc ses impacts négatifs, et la manière dont elle va communiquer. Et nous, notre rôle, c'est de poser tout un tas de questions et de proposer des reformulations. Mais en fait, en général, alors ça nous arrive de dire, bon, ce mot-là, il faudrait le relativiser, ou alors, mais très souvent, on pose plutôt des questions. Et on dit, ah, si vous dites ça, quels sont les éléments de preuve? Si vous dites ça, c'est qu'on imagine que vous avez fait ceci et cela. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pertinent de parler de ça en premier, alors que c'est peut-être pas votre impact majeur? Voilà, donc nous, en fait, on leur tend un miroir sur la manière dont on perçoit leur stratégie RSE et on discute beaucoup de la posture de communication. Est-ce qu'on a une organisation qui sent que parce qu'elle a mis un peu de carton recyclé dans ses packagings, ça y est, elle a fait le max, ou est-ce qu'on a une entreprise qui essaie vraiment de se transformer? Et donc, bon, de toute façon, les entreprises qui viennent nous voir, en général, elles sont déjà assez avancées et elles essaient de trouver les bons mots justement pour expliquer ce qu'elles font de bien sans laisser croire qu'elles sont parfaites, parce qu'elles ont compris que de toute façon ça n'existait pas. Super intéressant. Et donc oui, pour répondre, oui, parce qu'elle demandait est-ce qu'on a une checklist, etc. Donc effectivement, nous, dans notre travail, dans les formations qu'on assure ou les expertises qu'on fait pour l'ADEME, on connaît très bien les principaux signes de greenwashing, les règles déontologiques, les lois qui viennent d'être votées à l'Union européenne ou qui vont l'être bientôt. Et donc voilà, on a effectivement on va dire une liste, mais elles sont pas énormes, hein, des principaux signes. Et c'est là-dessus effectivement qu'on essaie d'être le plus vigilant. On a une autre question de Charline qui justement dit si c'est parfois ou souvent frustrant, énervant, déprimant, quelles sont les tâches de votre métier qui vous réjouissent, qui vous rendent heureux et épanoui et qui fait peser la balance vers le haut? C'est que quand on intervient, on a des personnes qui sont ravies et qui sont soulagées de qu'on aborde certaines thématiques et qui vont y trouver en fait une énergie positive. Donc on a effectivement dans des formations, typiquement, on a des personnes qui viennent nous voir en critiquant notre vision, parfois on dit qu'on est trop engagé ou que notre vision elle est politique voilà, qu'on se trompe, voilà. Mais on en a plein d'autres qui nous disent, par exemple, sur une écriture sans stéréotype de genre, quand on parle de mots épicènes, quand on parle de lutte contre les stéréotypes, quand on parle de lutte contre le sexisme dans la communication, on a des personnes parfois qui viennent en disant, ah, ben, je pensais pas qu'on parlerait de ça dans mon entreprise et je suis ravi, c'est un sujet que moi je porte et j'ai du mal à le faire exister et je suis content de trouver écho à ce que je pense dans vos propos. Donc, on a des personnes comme ça qui sont, ben qui trouve ouais une forme d'énergie et une connivence aussi, voilà, où on partage certaines visions du monde, des enjeux donc c'est ça qui fait du bien, c'est de se rendre compte que sur toute la partie éco-socio-conception de nos projets des projets de communication, donc tout ce qu'on peut faire pour réduire les impacts négatifs, ben les personnes elles sont contentes de voir qu'elles font déjà des choses qui sont pertinentes, et nous on arrive en leur donnant une vue un peu plus large, en leur disant est-ce que vous avez pensé à ceci, cela, et on valorise aussi ce qu'elles ont fait. Donc c'est ça en fait qui fait du bien. Et puis on intervient aussi auprès d'acteurs publics, hein. Donc les enjeux là sont pas tout à fait les mêmes, puisque a priori on est dans voilà, on n'est pas sur des entreprises qui vont vendre des choses qui détruisent la planète ou qui exploitent les humains, et là on arrive à travers la communication plus responsable, on arrive à mettre davantage en cohérence les messages avec les valeurs, avec les enjeux. Donc on a le sentiment aussi d'être utile. Voilà. Donc c'est tout ça. Et puis et oui, voilà. Donc c'est vraiment les échanges qu'on peut avoir. Après,
Une satisfaction comme une autre, c'est aussi quand les clients et les clientes nous disent, bon, mais c'est super, on a apprécié votre prestation, voilà, vous nous avez aidé à progresser, ou à, voilà, donc ça fait toujours, c'est toujours plaisant aussi. J'imagine bien. Mais du coup, oui, on est sur la responsabilité au sens large et des considérations intersectionnelles et pas juste sur un volet écologique. Parce qu'on a parlé beaucoup de, même dans les questions, on parlait de greenwashing, etc. Mais en fait, on est sur En fait, c'est une autre. l'écologie au sens large, d'accord? Donc, ce n'est pas que l'environnement. Et dans l'écologie, on retrouve les enjeux environnementaux, mais aussi les enjeux sociaux et sociétaux. Et donc, nous, aujourd'hui, c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on traite tous les sujets. Et on a des entreprises qui vont être très sensibles à la lutte contre le greenwashing, par exemple, mais on en a d'autres, ça va être une communication plus inclusive, où ça va être comment est-ce qu'on promeut de nouveaux imaginaires, donc sur la partie message. Donc, on arrive vraiment à traiter. Il y a des organisations qui vont être plus sur ben, comment est-ce qu'on co-construit, comment est-ce qu'on s'ouvre aux parties prenantes. Comment est-ce qu'on, voilà. Donc, aujourd'hui, la communication responsable, c'est un sujet qui est tellement large que ça nous permet en fait de trouver les points qui sont les plus intéressants, les plus pertinents pour chaque organisation. Hyper intéressant, hyper large. On a une autre question de Béatrice qui demande si vous pourriez recommander une formation au sujet RSE complémentaire à la formation de communication responsable. Oui, donc là, on peut. Il y a formation et se sensibiliser au fil de l'eau, d'accord? Donc des formations, si c'est important pour vous d'avoir le tampon de l'organisme de formation, d'une école, d'une université, ou le réseau hein, que permet de développer une formation, vous pouvez aller dans voilà, des écoles d'ingénieurs ou des écoles des universités. Elles ont toutes des formations courtes sur les enjeux de transition, comment manager la transition écologique, comment comprendre les enjeux de transformation des modèles d'affaires. Voilà, il en existe plusieurs. Et puis après, il y a aussi tout ce qu'on fait au quotidien, c'est-à-dire être connecté à des médias qui sont engagés, comme Reporter, comme Vert, le média qui annonce la couleur, comme Climax. Voilà, vous avez un certain nombre de comptes aussi sur les réseaux sociaux, type Bon Pote. Voilà. Et c'est important de suivre ces comptes-là. Pour un réveil écologique. C'est important de suivre ces comptes-là pour comprendre ce qui se passe dans la société et aller lire des enquêtes qui sont faites par des journalistes qui sont engagés et qui ont un regard particulier sur ces sujets-là. D'accord? Ensuite, moi, je vous encourage à faire des fresques. Donc, ce sont des actions de sensibilisation. Voilà, des fresques ou un atelier d'automne. Voilà, tout ce qui vous permet de mieux comprendre quels sont les enjeux et comment ça s'applique à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Et ça se fait aussi à travers des lectures, à travers des documentaires, à travers, voilà. Aujourd'hui, l'avantage avec le web, c'est qu'on a accès à, vous avez des chaînes YouTube comme Limit ou comme Green Letter, voilà, ou comme Sismic, qui vous proposent des entretiens avec des personnes qui sont soit du secteur de la recherche, soit du secteur de l'entreprise, mais qui ont une expertise. Et ça permet vraiment de monter en compétence. Voilà. Donc, c'est complémentaire de la formation à proprement parler. Et donc, c'est continuer à se documenter, s'informer, lire en parallèle d'une formation académique, quoi. Oui, parce qu'en fait, la société, ben, les deux sont complémentaires. On peut avoir envie de suivre une formation très formelle, où à la fin, on a une évaluation et on a une attestation de suivi de formation. D'accord? Ça permet de dire à notre employeur ou à nos clients, ben voilà, on a suivi cette formation. Mais il y a aussi tout le travail d'acculturation au quotidien, parce que ce sont des sujets qui évoluent. Et parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre et que c'est toujours, en fait, on traite tous les sujets environnementaux, tous les sujets sociaux et sociétaux, on ne peut pas être au top sur tout. Donc, on apprend au quotidien et creuser tous ces sujets-là, ben, ça nous permet d'être plus pertinents dans notre compréhension de comment la communication peut être reçue et comment la communication peut jouer un rôle différent. Voilà, donc c'est important d'être. C'est pour ça que nous, on dit qu'on est vraiment à l'interface entre les enjeux RSE et le monde de la communication, du marketing et de la publicité. Une recommandation de médias sensibilisation pour les plus jeunes, ben vous avez les actions de l'ADEME, je crois que c'est Aime ta terre, où il y a un certain nombre d'actions, et puis travail avec des influenceurs et des influenceuses engagées. Vous avez Limit, LIMIT, qui est aussi pas mal pour le public jeune. Pardon, j'ai trouvé limite, je vous le mets dans le chat. C'était ça le petit bruit. Hop. Ouais, c'est ça.
Et pour les actions de l'ADEME, c'est les amis de la Terre, les Non, amis c'est M de la M Tater, ça doit être, c'est le site. Attendez, je vais vous trouver ça. Super. Voilà, ça doit être ça. Je vérifie juste que c'est mon site, ouais. Hop, voilà. Génial. Donc c'est bien d'aller aussi vers des sites officiels, hein, parce qu'il y a quand même la question de la véracité des propos. Voilà, là, quand même, on est dans une société où il y a quand même beaucoup d'infox et c'est important d'aller vers des médias qui sont rigoureux. Super, super intéressant. Merci beaucoup. Je vois que l'heure tourne et il est déjà l'heure. Merci beaucoup, Mathieu. C'était Merci, Aurore. passionnant. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées aussi. Pour conclure, ce live du coup fait partie d'une semaine de live métier dont on parlait, parce que à Chance, on a à cœur d'aider et d'entraider les personnes. On a créé une communauté d'entraide à ce sujet. Je vous mets le lien dans le chat. C'est du coup l'idée de pouvoir poser des questions à des personnes qui auraient besoin de, enfin qui seraient en capacité de vous donner plus d'informations, comme Mathieu vient de le faire aujourd'hui en participant à ce live. Et à l'inverse, si vous avez des questions, vous pouvez vous inscrire au sein de notre communauté, en gros, et voir qui peut vous répondre. Donc merci Mathieu pour ce coup de pouce professionnel aujourd'hui. J'espère que on a pu éclairer pas mal de personnes, mais vu les retours dans le chat, on nous dit que c'était intéressant, motivant. Donc je pense que c'était très bien. Merci beaucoup. Tant mieux. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt, j'espère. Au revoir, bonne journée. Merci à tous.